Salut à tous. Salut à toutes. Salut, salut. Et bienvenue pour cette randonnée qui nous emmène au bassin Pilon, au nord-est de l'île. On vous emmène aujourd'hui avec nous pour une nouvelle vidéo dans la région nord-est de l'île, à Sainte-Suzanne un peu plus précisément. Et on va longer la rivière qui va nous emmener à plusieurs bassins et des jolies cascades jusqu'à la cascade Pilon. On espère que vous allez aimer ça. On avance et on arrive bientôt dans une petite palmeraie. C'est chouette, on passe de la forêt aux palmiers. C'est assez abrupt. Après, c'est nous qui montons l'échelle. Oui. Ça va être cool. Non, ça va être pas cool. Mais pourquoi? Parce que... Dernière indication d'Emilie. En haut, la dernière marche est toute petite. Allez, c'est parti. We'll see. Allez. De quoi? Ça y est, on est monté. Ouais. C'est haut, hein? Ouais. Et allez, on continue de monter, les pieds dans l'eau. On est arrivé, on va pouvoir pique-niquer au plus grand bonheur d'Ethan. Coucou Ethan. Je suis occupé. T'es occupé? Oui, je suis ici. Petit message personnel pour Sylvain et Pascal que vous avez vu dans le canyoning. Ça vous dirait pas de sauter ici? C'est un peu plus haut que nos 7 mètres. Hein. On est arrivé.
arrivé à la dernière cascade de notre petite boucle de la journée. Comment elle s'appelle ? Je sais pas. C'est la cascade. C'est très moussu ici, donc c'est très très humide et on a vite fait de mettre un pied là où il faut pas. Ce matin on était surpris d'arriver vers Saint-Denis et qu'il fasse beau. On est rassuré, il pleut à nouveau. Bon, ça y est, on est de retour au niveau de l'échelle, sauf que c'est pas du tout les mêmes conditions. Il y a des troncs d'eau qui sont en train de tomber. Sinon ça va le faire, hein. Tant que nous on tombe pas, ça va. Je sais pas si on voit bien la pluie, mais ça tombe. Hein. Il y a encore quelques barreaux. Ça va toi? Ça va? C'est magnifique. Oïs. C'est bon. Je crois qu'Emilie se presse un peu. Alors? On l'a fait. C'est une partie de plaisir la descente. Ouais, c'est plus facile que la montée. Il y a des petites mains courantes, mais elles sont pas terribles. Ça ne repose plus que sur un fil. Donc on n'ose pas trop se tenir à ça. Il y a certains passages un peu plus scabreux et sportifs. Ça passe. Attention. Oh mon Dieu. On adore randonner à côté des cascades. Le bruit des chutes d'eau est hyper apaisant. Ça fait du bien. Alors c'est apaisant, le problème c'est qu'on les voit pas beaucoup. Il faudrait descendre un peu plus par des chemins mais qui sont un peu trop scabreux à notre goût. Donc on a essayé de s'aventurer sur le premier, mais on n'a pas réitéré sur les autres. Ça manque un tout petit peu d'aménagement. Et étant donné qu'il a plu, là c'est très glissant. On a profité tout à l'heure d'être dans la petite palmeraie pour s'entraîner à faire des petites acrobaties. On vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et de voter en commentaire sur la photo que vous préférez. Bon, ça y est, on arrive au terme de cette randonnée de combien ? 3 km ? 3 km. Annoncé pour 1h30 de randonnée. On est parti à 11h et il est 3h moins le quart. Je vous laisse faire le calcul. On s'est quand même arrêté pour manger, mais le sentier n'était pas si facile parce que très très humide, donc ça glissait beaucoup sur les racines et sur les pierres. Le début du sentier il est moyen, on entend les cascades, on sent que les chutes d'eau sont impressionnantes, mais on les voit que trop peu. Alors il y a quelques chemins qui y accèdent, mais avec les enfants c'était impossible. Moi j'ai essayé de m'y aventurer sur une tout seul et c'était guère mieux, donc c'était compliqué pour ça. Mais la fin elle est très chouette, c'est la cascade au bassin Pilon. Et juste incroyable. On était sur le chemin du retour pour rentrer à la maison. Et à quelques mètres de la randonnée,
où on était, on a vu qu'il y avait le bassin Bœuf. Donc c'est pour le coup une toute petite randonnée d'un kilomètre seulement, plutôt une balade. Voilà, on va voir ça. Et Ethan est encore en forme, hein. Il a encore de l'énergie pour courir. Première traversée d'un petit guet. On a fait le choix de garder nos chaussures. Plein de nouveaux bassins, c'est vraiment très chouette. Ce tour est vraiment sympa. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, se souviennent peut-être de la fois où on est venu voir la cascade Niagara. C'était au moment de la saison sèche. Donc si vous ne l'avez pas vu, voilà ce que ça donnait. Voilà ce que ça donne. De faire le bilan de cette journée de randonnée. Donc on a passé toute la journée à Sainte-Suzanne où on a vu une multitude de cascades parmi nos deux randonnées et ce dernier point de vue sur la cascade Niagara. Au début on était parti sur une seule rando, donc le bassin Pilon, et puis après en fait on s'est dit tant qu'on est dans le nord-est autant profiter, donc on a fait le bassin Bœuf et là on finit par la cascade Niagara parce que on avait vraiment envie de voir ce que ça donnait en saison des pluies. Vraiment incroyable. Voilà. On espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à nous laisser des petits commentaires. Et si vous voulez suivre davantage nos aventures, ça se passe sur Instagram, sur la page des chatons en balade. On vous dit à très vite. Et on n'oublie pas de voter pour la photo qu'on préfère des petits singes. À bientôt. À bientôt. Quoi? Oh, j'en peux plus. Ah, je veux plus. Toi non plus, t'en peux plus? Ah non. Oh mince. Allez, on retourne à la promenade. On retourne à la promenade? Ouais. Mais la voiture, elle est là. Ah non. Ah, ici. Ah non, elle est petite.